Au Soyan-Goulême, déplacement compliqué, hein, parce que c'est une équipe qui est très rude, qui est très costaud, qui est très, très agressive, qui chez elle, est redoutable, hein, avec un public toujours chaud. Donc on s'en va sur des terres hostiles et on se sait attendu. Ils sont à 4 points devant, 3 ou 4 points devant 4 nous. Points devant, ouais. Honnêtement, je ne regarde pas trop, le classement. Ouais. On est dans la même zone. Enfin, c'est des ils ont un coup d'avance quand même, mais étant donné qu'ils sont au-dessus de nous. Non, après, on s'adapte toujours aux conditions climatiques, mais voilà, on se concentre surtout sur notre jeu à nous. C'est ça un peu notre base. Après, voilà, on s'adaptera aux conditions, on a l'habitude. On va essayer de surprendre cette équipe d'Angoulême avec nos armes, mais les conditions de jeu annoncées vont être difficiles. Ils annoncent beaucoup depuis hier jusqu'à dimanche, donc ça va être un match d'homme, hein, où ça va piquer dur. Donc voilà, ça va être comme je dis, un défi où on se sait attendu et il va falloir être présent. Ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Voilà, on travaille. On est un peu dans le dur en ce moment. Il nous manque, voilà, on l'a dit, cette petite étincelle, un peu de confiance. Mais on travaille sérieusement, donc c'est appliqué. Oui, on a trouvé depuis quelques matchs une certaine régularité en défense, c'est vrai. Après, encore faut-il le démontrer à chaque match. Aujourd'hui, si on veut être un peu dans la continuité de ce qu'on a produit contre Romain, il va falloir surtout marquer des points. Oui, je pense que gagner à l'extérieur, ça nous remettrait dans une bonne dynamique et ça nous redonnerait confiance. Après, voilà, faut savoir gagner les petits bras des fois, et c'est vrai que le match de Valence, ça a été le cas. Voilà, la Pro D2, c'est dur, c'est long. Il y a des hauts, des bas. En ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu en bas, mais on ne baisse pas les bras, on ne doute pas de nous, de nos capacités. Voilà, on a les armes en main pour faire des choses intéressantes. C'est un petit peu.